Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour commencer un petit vlog. C'est mercredi 9 novembre. J'étais en train de dire septembre, non, c'est novembre, Angela, oui. C'est mercredi 9 novembre. Et on va commencer aujourd'hui un petit vlog parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Oh, presque beaucoup de choses à vous montrer. Et je me suis dit pourquoi pas commencer aujourd'hui le vlog et on va continuer, je sais pas, pour demain, vendredi, ça dépend de comment j'arrive à filmer. Sinon, on va faire qu'aujourd'hui, on va voir ça fur et à mesure de quand je filme et combien de minutes ça fait le vlog. Parce que je veux pas faire des vlogs trop longs. C'est mieux si je mets 2-3 vlogs plus petits par rapport à un trop grand. Voilà. Je suis super contente parce que aujourd'hui il a sorti la vidéo avec le whole diamond painting et je suis contente que ça vous plaît et qu'il y a déjà pas mal de personnes qui font du diamond painting sur cette chaîne et je suis super contente parce qu'on a encore une petite chose en commun. Du coup ça aussi si on fait ensemble, du coup c'est encore quelque chose de quoi on peut parler ensemble et ça me plaît beaucoup parce que je peux partager ça avec vous et je sais qu'il y a des personnes aussi qui font ça. Du coup pour le diamond painting j'ai plein des idées mais ça on va faire fur et à mesure. Je pensais pourquoi pas faire des petites vidéos. Vous mettez des questions et moi après dans les vidéos je réponds aux questions et je fais avec vous du diamond painting. Oh, pourquoi pas commencer la même toile ensemble, comme ça on peut faire ça vraiment ensemble, même si on n'est pas tous dans la même pièce, mais grâce aux vidéos, on peut faire ça chacune sur son côté, mais au moins on fait ensemble, on peut faire un petit groupe, comme ça on voit exactement où on est chacune d'entre nous. J'attends toujours votre avis, si ça vous plaît, des petites idées comme ça, si ça vous plaît, comme ça, on peut faire plus des choses ensemble. Voilà. Déjà, je voulais vous montrer quoi on a de neveu dans ma pièce. Oui. En fait, j'ai commandé sur AliExpress les grands stickers roses comme ça. Et j'ai reçu et du coup j'ai mis ça sur le mur mais je veux tourner la caméra inverse comme ça je vous montre. Et si vous voulez je vous passe le lien, ils sont pas chers, la livraison c'était vite fait. Je crois qu'un paquet de stickers il était environ de 4 euros et moi j'ai pris 3. Mais j'ai fait ma pièce plus j'ai mis dans la chambre de ma fille, du coup il y en a vraiment beaucoup en intérieur. On a de quoi faire et la livraison c'était en 10 jours, du coup c'est expédié vite fait. Et c'est exactement pareil comme sur plein de sites où le prix il était 4 fois plus cher. Du coup, si vous voulez le lien, si ça vous intéresse, je peux vous passer le lien. Et ça, je crois qu'il va très bien sur des murs clairs. Si vous avez un mur avec une couleur trop foncée, je ne sais pas si ça se voit bien parce que c'est quand même des stickers assez transparents. Du coup, si c'est sur un fond blanc, la couleur ça sort plus. Si c'est sur un fond noir, la couleur ça va sortir moins en évidence. Du coup, je tiens à vous préciser ça aussi comme ça, vous êtes au courant et vous savez. Voilà, maintenant je tourne la caméra et je vous montre exactement comme ils sont les stickers. Voilà, du coup j'ai mis là sur le mur, hop, j'ai mis tout le mur, j'ai commencé de bas et j'ai mis comme ça tout le mur jusqu'à là-bas et là-bas il descend, voilà. Et j'ai mis ici sur le mur aussi où j'avais déjà les papillons. J'adore. C'est possible que pour des personnes, vous trouvez ça trop pour les enfants, mais moi, j'adore. J'aime beaucoup. Ça me plaît énormément. Et en plus de ça, le soir, quand j'allume ici aussi les petites lumières, je vous montre ce soir, mais c'est tellement bon et c'est tellement apaisant et c'est tellement, je sais pas, je me sens bien quand je suis là. Du coup, ça, c'est le principal. Si pour moi, ça fonctionne, du coup, c'est bien. Si je suis créative ici dans cette pièce, c'est le principal parce que c'est pour ça qu'il a créé cette pièce. Pour être créative à l'intérieur. Du coup, pour avoir ici de créativité. Du coup, c'est super. Et je vous montre un peu de
plus près, voilà. Même les détails et tout sont très 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 bien réalisés. On dit vraiment qu'ils sont de 3D, même si c'est pas de 3D, c'est juste des stickers, mais sont très 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 jolis. Voilà. Quand on vous recevoit, toutes les pièces sont séparées, les feuillages sont séparés des fleurs, mais c'est moi qui les combine comme ça ensemble. Après, c'est à vous de voir comme vous voulez utiliser, mais moi je trouve ça super super sympa. Voilà pour ça. Maintenant, j'ai une petite vidéo à tourner, du coup je vais faire ça tout de suite. Et après, il faut que je nettoie un peu ici la pièce. Et on va commencer ensemble une grande toile du Diamond Painting. Ici, j'ai ma toile que je suis en train de faire maintenant. Il est presque fini. Il me reste pas encore beaucoup à faire. Voilà, il me reste juste le petit coin là-bas à faire. Et après, c'est fini. Et comme ça, je vous montre au fur et à mesure où je suis avec l'étoile et laquelle je fais. Voilà, du coup, je veux arrêter le vlog un peu pour tourner la vidéo. Et comme ça, on peut faire après ensemble la toile. Et aussi, je veux commencer un nouveau album avec cette bloc d'action. Du coup, je crois qu'on va commencer à partir du lundi le tuto. Si vous commencez avec moi, vous avez besoin de cette bloc. Ça va être une vidéo vraiment rapide, mais super rapide. Parce que après le grand album forêt, j'ai besoin de faire quelque chose beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et après, on va recommencer avec les gros albums. Du coup, pour l'instant, on va travailler celui-là. Voilà. Et comme dies, j'ai pris... je vous montre tout de suite s'il est là. Comme dies, on va travailler avec cette dies. Il est de la marque Herfel Création toujours. Et vous trouvez cette dies sur la boutique du Booty Scrap. Vous avez le lien dans la barre de description. Toujours. Comme ça, si vous voulez commencer avec moi, vous savez qu'on va utiliser celui-là. Et on va utiliser celui-là. On va faire sur du papier noir avec un fond bordeaux. Voilà, du coup, si vous voulez commencer, vous pouvez préparer déjà les papiers et à partir de lundi, on va attaquer le tuto. Maintenant, je commence à filmer le petit unboxing et on se voit après. Et voilà les filles, du coup, je suis de retour et on va commencer à travailler ensemble cette toile. Oui, qu'il vient de la marque Aura Loa. Il est magnifique. Je viens juste de finir de filmer le unboxing. Comme ça, vous l'avez demain matin. Je viens de finir aussi le montage de vidéo. Comme ça, je peux le mettre pour demain matin. Il me reste encore à faire la miniature et la barre de description. Mais ça, je veux faire après. Parce que je veux commencer à faire ça avec vous. En fait, on ne va pas commencer à mettre les... Diamond tout de suite. On va juste préparer tout ensemble. Juste une petite seconde que je mets un petit pincement sur le doigt. Normalement j'ai pas besoin de mettre, mais j'aime pas trop comme ça se voit sur la caméra, parce que en fait j'ai coincé le doigt, du coup il est tout noir. Et pour l'instant je peux pas mettre de vernis sur cet ongle parce que ça me fait mal. Du coup, on va travailler avec des pincements chaque fois. Et ça va être pour beaucoup moins parce qu'il est tout noir. Pas tout le doigt, presque tout le doigt, mais bien plus de moitié, il est noir. Il est noir, du coup, on va faire avec. Au moins que je peux travailler, ça ne me met pas de soucis. Du coup, cette toile... Je veux arranger parce qu'on va pas faire celui-là, on va faire celui-là qui est sur la table. Mais dans le vidéo, je vous montre cette toile aussi, Miss Noël. N'oubliez pas que vous avez un code promo de 15% si vous passez une commande. Et à bientôt, on va avoir encore des unboxing Aura Loa parce que j'ai des toiles qui ça me plaît beaucoup. Et je crois pas que je veux résister trop parce que j'aime trop. Et quand j'aime trop quelque chose... je pense un peu, un jour,
et après je suis sûre que je vais commander. En plus de ça, quand il y a des choses comme ça qui ça me plaît sur cette boutique, comme ça part tellement vite, je préfère prendre. Je veux arranger cette boîte aussi parce que même s'il est vide, je garde. Parce qu'une fois qu'on a fini la toile, on peut mettre sur un mur. Moi, je veux mettre au salon. Mais de temps en temps, je veux changer avec une autre. Du coup, celui-là, on peut toujours bien rouler et garder dans la boîte. Comme ça, il ne prend pas la poussière. Du coup, ça, je vais mettre après à leur place. J'ai pris une boîte parce que on va travailler avec une boîte comme ça pour l'instant. J'ai commandé un grand rangement sur AliExpress, mais j'ai pas reçu encore. Du coup, juste qu'on va recevoir, je veux travailler comme ça. Comme il y a 50 couleurs, j'ai pas suffisamment de petites boîtes d'action. Du coup, on va travailler comme ça. Ici, on a le kit. Voilà, avec la barquette, ça, la pince que je veux garder avec moi. Je veux garder aussi la petite barquette parce que j'aime trop. Tous les petits stickers comme ça, je les mets ici dans mon carnet de Diamond Painting. Et du coup, j'ai commencé celui-là aussi de Noël. Du coup, pour ça, j'ai collé dans le cahier l'image. Et ça, on va faire comme ça. Ça, je garde pour faire un album. Ça, je vais utiliser dans un album. Du coup, je vais mettre dans le petit sachet zip. Et je veux garder ici, pas loin, comme ça je sais qu'il est là. Ici, je veux mettre déjà cette stickers. Et je vous montre un peu la toile du nose parce que quand j'ai montré tout à l'heure, c'était ça se voit pas bien. Bah voilà, je suis là avec la toile du nose. Ça me plaît, franchement ça me plaît. Il me reste encore cette côté et tout cette côté qui est là avec le film. En reste, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Ça brille super joli et le motif il est vraiment sympa. Ça se voit qu'ici on a un sapin, ici on a une petite église, les maisons avec la fumée et tout. Ici un petit sapin et il reste tout ça à faire. Du coup, je veux continuer celui-là aussi. Cette tablette lumineuse d'action, il est nickel. Et ici, j'ai le petit aimant de la boutique Oraloa. Il est parfait pour tenir le film comme ça. Et après, vous prenez le film et vous le laissez comme ça. Et l'aimant, il est comme ça. Hop. Derrière, il a encore un aimant. Du coup, il y a un petite ici et un qui se clipse tout le temps. Voilà. Et comme ça, on peut mettre le film comme ça. On va mettre l'aimant ici. On va mettre encore l'autre derrière. Et comme ça, il tient le film. Tout simplement comme ça. Et même, on peut le mettre ici, par exemple, qu'il tient bien fermé. Et juste, on va déplacer l'aimant. Voilà. Du coup, super. Mais j'attends encore quelques petites aimants comme ça que j'ai pris sur un boutique. On va voir ça quand il arrive. Maintenant, on va prendre la petite papier autocollant. On va prendre un ciseau. Du coup, on va arranger les sachets. On a ici et on a ici aussi. Du coup, on va commencer avec celui-là. Moi, je fais comme ça pour toutes les toiles. Du coup, comme ça, je vous montre un peu comment je me organise. Désolée pour le bruit. On va prendre le numéro 1, 2, et je le mets comme ça. 4. Du coup, je prends une boîte un peu plus grande. Et je veux prendre ça. Je veux prendre celui-là.
ça, j'ai plus besoin pour l'instant. Et je sais qu'il a, j'ai tout ce qu'il me faut. Il manque juste l'aimant pour la toile et c'est tout. Comme ça, ici, je sais que j'ai tout pour celui-là. Et cette boîte, on va garder pour une autre. Voilà, voilà, voilà. J'ai deux petites aimants qu'ils ont sorti, deux petites diamants qu'ils ont sortis. Du coup, je vais vous mettre à l'intérieur. Ici. Comme ça. Maintenant, je veux prendre. Moi, je travaille chaque fois juste une petite côté. Par exemple, comme j'ai fait sur la toile. Par exemple, comme j'ai préparé la toile Noël d'Action. J'ai préparé les boîtes. J'ai mis dans les boîtes tout ce qu'il me faut. Tous les diamants par numéro. Voilà, comme ça. J'ai tous les trois ici. Et j'ai la toile. Et sur cette toile, j'ai fait déjà les premiers trois carrés. Et après, je fais encore comme ça. Et encore trois carrés. Et comme ça jusqu'en bas. Du coup, on va faire pareil sur la grande. Et ici à côté, j'ai tout le kit qu'il me faut. Le kit avec tout ce qu'il me faut. Et je sais que quand j'ai envie de travailler cette toile, je prends la barquette et c'est bon. Je fais ça juste pour les toiles que je commence tout de suite à travailler. Pas pour les toiles que je garde comme ça. Parce que les toiles que je commence pas, je les fais pas. Juste sur les toiles que je commence. Du coup, je finis celui-là de noces et je commence celui-là et la petite Noël Action. Et je commence, on va plutôt faire un peu comme ça. Pour ramener ici et travailler comme ça petit à petit. Du coup, je prends celui-là. Et j'en fais des carrés pas trop grands. Je préfère faire 2-3 carrés par jour. Si j'ai le temps et si j'ai envie. Par rapport à avoir un grand carré. Et je trouve que plus le carré il est grand, plus j'avance tout doucement. Si les carrés sont petits, j'avance beaucoup, beaucoup plus vite. Du coup, moi je fais des carrés comme ça. Voilà. Tout le temps, je pars avec deux. Et quand je finis la première ligne, je vous montre tout de suite. On va tracer celui-là bien droit. Et maintenant, je fais des petits carrés comme ça. Et voilà, je fais des petits carrés comme ça. Et par exemple, quand je finis le premier carré, bah je prends le double face qui est là et juste je le transfère en bas. Et après, je continue avec celui-là. Et je fais tout le temps comme ça. Comme ça, je n'utilise pas trop de double face non plus. Et pour le grand aussi, je le prends d'ici et je le transfère en bas. Et je fais tout le temps comme ça. Et pour commencer, je prends le ciseau. Je décolle juste un peu et je coupe ici à côté du double face tout doucement sans abîmer la toile, juste le film. Voilà. Et après, quand je commence, vous mettez l'aimant en dessous et vous commencez avec le petit carré. Une fois qu'il est fini, je coupe ici. Et après, je coupe encore une fois jusqu'à ici. Et je continue tout le temps comme ça. Voilà, moi, je me organise comme ça. Du coup, je veux avoir la toile avec moi. Et ça, et c'est bon, je peux commencer. Et la tablette lumineuse, parce que ça me aide beaucoup. On voit mieux les symboles et tout. Même, on voit comme ça aussi. Mais je préfère faire avec la tablette lumineuse. Du coup, on a fait ça ensemble les filles. Moi, je veux aller cuisiner un peu, faire un peu de ménage.
Et on se voit tout à l'heure quand j'ai 5 minutes pour commencer à travailler sur cette toile parce que je veux qu'on commence ensemble. Et bien sûr, dans la journée, pour on fait encore des choses. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il faut absolument que je commence. Pas absolument, mais je veux commencer aujourd'hui l'album aussi. Voilà. Du coup, on se voit tout à l'heure. Et voilà les filles, je suis de retour. Du coup, maintenant, je commence à faire un peu de nettoyage ici dans la pièce. Du coup, je vais mettre ça sur accéléré parce qu'on a déjà pas mal de minutes. J'arrive plus. Je vais juste attacher un peu cette petite cheveu ici. J'ai déjà pas mal de minutes comme on a préparé la toile ensemble. Et maintenant, je veux nettoyer un peu ici. J'ai fini de cuisiner. J'ai fini aussi tout ce que j'ai à faire à la maison et dehors dans le jardin. Du coup, maintenant, on va faire un peu de nettoyage vite fait ensemble ici. Après, on va faire la structure pour l'album. Et on va faire ça ici sur accéléré. Comme ça, après, je peux tourner la vidéo. Pour la structure et les pages parce que cette fois comme ça va être un album simple du coup on va faire ensemble je vous montre la structure tout faite, on va coller juste les papiers déco sur la structure ensemble et on va oui on va coller les pages ensemble, toutes les pages ensemble et après on va faire en deux maximum trois vidéos tout l'album parce que je veux faire vraiment quelque chose tout simple en fait l'idée c'était parti d'où au début je me suis dit que je vais faire un hop il faut que je me mette bien droit oups attendez parce que j'ai bougé du coup comme je disais l'idée au début c'était d'où faire encore un album ou un folio automnal et j'avais cet album cette bloc pardon et cette bloc les deux oui les deux celui-là et celui-là de celui-là j'ai pris déjà pas mal de pages avec le foil pour utiliser dans mes planners pour faire des couvertures et des choses comme ça pour les planners parce que j'aime trop du coup celui-là pour l'instant je le garde encore. Et on va voir si je l'utilise encore dans les planners ou sinon on va l'utiliser l'année prochaine. Parce qu'il est toujours là. En plus de ça, j'ai décidé de plus acheter pour l'instant des blocs actions parce que j'ai vraiment beaucoup. En fait, tout ce que ça se voit ici. Ici, dans le coin là-bas, les grandes caisses comme ça. J'ai quatre remplies avec des blocs. Pas que des deux actions, mais au moins. Non. Je raconte des conneries. J'ai 4 avec des blocs actions et j'ai 2 avec des blocs des collections. Du coup, je veux absolument essayer de finir tout qu'est-ce que j'ai et je veux acheter juste s'il y a des blocs vraiment qui ça me plaît, mais je sais pas, qui ça me plaît vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et quand je le vois, je dis qu'il vient dans ma tête direct, bah, je veux faire tel album avec cette bloc. Quand c'est des blocs comme ça qui m'inspirent beaucoup, qui m'attirent beaucoup, je l'achète. Sinon, on va continuer à travailler avec des anciennes collections qui c'était des collections qui j'aimais beaucoup, mais j'ai pas travaillé jusqu'à maintenant. Il faut vraiment qu'on finisse tout ce qu'il y en a parce que ça sert à rien de garder et de remplir la pièce avec des blocs si ça ne plaît pas. Voilà. Et à partir de maintenant. Dans les vlogs, je veux essayer d'anticiper au moins 2-3 albums en avance. Au moins, je sais pas, qu'on choisit 3-4 blocs et on dit bah ça va être des futurs projets. Comme ça vous permet aussi de voir si vous avez les papiers, de préparer et comme ça, vous savez qu'on va travailler les blocs. Comme j'ai montré il y a quelques vlogs en arrière. J'ai montré le forêt ce qu'on a travaillé. J'ai montré celui-là et j'ai montré celui-là et j'ai dit qu'on va faire des projets ensemble. Du coup, celui-là, je le garde pour travailler encore dans mes albums. Mais au moins de 3 blocs que j'ai montré, 4 avec le collect moment ou quelque chose comme ça, bah en fait, j'ai utilisé au moins 3.
Du coup, c'est déjà pas mal. Et l'idée pour celui-là, c'était en fait, comme l'autre, j'ai fait quand même assez gros et bien rempli. En fait, l'idée c'était parti d'où cette page. Je vous montre tout de suite. Il est où? Il est où? Non, mais. Non, mais il est où? J'avais et maintenant je trouve pas. C'est quoi ça? C'est impossible. Il faut que je trouve. Ah, il est là. Voilà. L'idée, c'est parti de celui-là. Quand j'ai vu ça, je voulais absolument utiliser. Et juste quand j'ai regardé cette page, c'était tchoum, des petites idées. Du coup, j'ai des idées comment on peut utiliser ça en plusieurs façons pour pas utiliser que comme ça grand image pour faire un grand plat photo. Non, on va détourer, on va faire ça dans plusieurs façons. Du coup, j'ai parti de cette idée et comme j'ai juste un bloc et je vais utiliser que cette bloc. Du coup, j'ai pensé que c'est une très bonne idée de faire un album vite fait parce que déjà on a fait déjà un gros album et c'est mieux de faire un toute petite maintenant, mais j'ai pas envie de faire un folio non plus. Du coup, je vais faire un album comme d'habitude 21 sur 21 avec des pages 20 sur 20. Mais on va faire quelque chose de super simple pour les personnes qui débutent. Comme ça, on a pour tout le monde des vidéos sur cette chaîne. Et j'ai beaucoup aimé cette bloc aussi parce que les fleurs qui sont là, je ne sais pas exactement comment ils s'appellent en français. En tout cas, je connais le mot. Je sais que j'ai parlé avec plusieurs personnes de cette petite fleur parce que je les adore. Mais ça ne me vient pas du tout maintenant. Mais ces fleurs-là, je les adore. Je les adore. Je les adore. Je les trouve tellement jolies. Dommage qu'on ne peut pas les garder comme ça dans la maison. Mais je les adore. Franchement, je les adore. Du coup, pour ça, j'ai décidé de faire un album hop, avec cette bloc. On va travailler celui-là du coup. Et on va faire comme j'ai précisé parce que j'ai parti de là et j'ai parlé trop. On va faire la structure ensemble. On va faire un peu de diamond painting ce soir. Et si je vois que le vlog il est trop long, on va arrêter le vlog ici. Et demain, on commence un autre. Parce que demain, je veux qu'on fasse un gâteau ensemble. Et encore des petites choses. Du coup, on va voir. S'il n'est pas trop long, si j'arrive à mettre beaucoup sur accéléré, du coup, on va continuer. Sinon, on va arrêter. On va voir. Parce que déjà, je parle trop. Du coup, je mets tout sur accéléré et je commence à nettoyer un peu parce que... Voilà les filles, du coup maintenant on va faire la structure. Du coup je vais faire ça vite fait en accéléré. Comme ça on sait qu'on a fini ça aussi. Je mets tout ça sur le côté, comme ça je peux travailler demain. Et maintenant, je ramène mon diamond painting. Je fais un petit carré et après, je pars au dodo.
J'ai mis ça en bas et du coup maintenant on va couper encore ici. Je veux continuer à couper comme ça. Voilà. Et comme ça, il est prêt pour demain pour continuer cette petite carré. Pour aujourd'hui, j'arrête ici avec la grande toile. Ça prend, je trouve que ça, pour, en tout cas pour moi, ça me prend un peu plus de temps par rapport à une toile avec des diamants ronds. Les carrés, ça me prend un peu plus de temps, mais franchement, le résultat final, j'aime beaucoup. Et pour la pose, ça colle très bien. Du coup, ça, c'est pas un souci. Franchement, sympa. Je vous montre encore en fond. Voilà. Et ça brille, franchement. Oula, ça brille, ça brille, ça brille. Ouf, vivement que je finisse ça, parce que ça, sur le mur, ça va être génial. Franchement, ça va être génial ici. Maintenant, je mets ça sur le côté. Hop, je l'éteins ici. Et je veux prendre un peu ma toile de action. Ok, et cette fois, j'ai mis du double face ici. J'ai mis le washi tape, pardon, ici. Mais cette fois, je crois que je veux commencer du bas. Toutes les toiles, d'habitude, moi, je les commence par ici. Mais des fois, je trouve assez difficile. Je vais essayer de faire celui-là du bas pour voir exactement si c'est beaucoup plus facile ou pas. Je vais faire un petit carré. C'est bon, les filles. J'ai fini cette coin aussi. Du coup, c'est comme ça. Franchement, ça va super vite avec les diamants ronds comme ça de action. On peut faire ça super vite. Moi, j'ai pas tout filmé parce que j'avais plus de batterie. Je veux continuer demain le reste. Du coup, je coupe ici le papier. Je fais juste le transfert de washi tape. Je transfère le washi ici et après, je continue demain. Voilà, du coup je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hello les filles, du coup, re-coucou, parce que aujourd'hui on est jeudi, c'est la continuée du, on va continuer aujourd'hui un peu le vlog, mais pas trop parce que déjà ça fait long cette vlog. Du coup aujourd'hui on va continuer après un peu, et après on va arrêter le vlog et on va commencer demain un autre parce que demain... il faut que je reçoive une petite commande que j'ai passée sur AliExpress. Normalement, il vient demain. Et je veux vous montrer ça. Et aussi, on va utiliser ça ensemble. Du coup, on va faire ça demain. Mais pour aujourd'hui, je veux filmer la structure. Parce que hier soir, j'ai pas réussi à le filmer. Du coup, je fais la structure vite fait. Et après, je vous montre un peu le résultat final. Mais pas trop. Parce que sinon après je spoil trop et je veux pas parce que cette vlog ça va sortir avant le tuto et du coup je veux pas vous montrer trop mais je vous montre un peu la déco. Ça va être sympa si ça sort exactement comme il est dans ma tête. On va voir si ça sort exactement comme il est dans ma tête, ça va être un album très sympa, même s'il est simple, voilà. Et je veux continuer un peu avec le diamond painting, je veux faire le montage de vidéo qu'il va sortir demain matin. Vendredi, mais quand vous regardez cette vlog, il est déjà sorti. Du coup, je peux vous dire de quoi je parle. En fait, ça va être encore une collaboration, encore un partenariat, mais cette fois avec une marque qui ils vend beaucoup de points croix, de la broderie. Et franchement, quand j'ai reçu le partenariat, mais quand j'ai reçu le mail, déjà, quand j'ai vu dans le mail points croix, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Point croix? Il parle de quoi exactement? Et bien sûr, j'ai tapé vite fait sur Google et après sur YouTube et j'ai vu que c'est de la broderie. Mais il m'a fait
un tellement plaisir parce que ça, je faisais avant quand j'étais petite, quand j'avais 15-16 ans avec ma grand-mère. C'était une activité qu'on faisait ensemble. Du coup, c'était waouh! Et ça, il m'a ramené des souvenirs. Du coup, quand j'ai reçu la commande, j'ai préparé le tuto et après, j'ai commencé direct à faire ça. Je vous montre tout à l'heure combien j'ai fait, sinon je vous montre dans le prochain vlog. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée et franchement, ça me ramène tellement de souvenirs avec ma grand-mère. C'est quelque chose super sympa et j'aime beaucoup. Du coup, merci beaucoup à tous ces partenariats parce que ça me fait découvrir des choses et ça me fait rappeler des souvenirs trop importante et trop jolie. Du coup, c'est vraiment super sympa ça. Et je suis contente aussi parce que grâce au partenariat, je peux faire des vidéos pour vous et on peut découvrir des choses ensemble et on peut découvrir des passions ensemble. Parce que je suis super contente que je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne qui ils aiment aussi le diamond painting. Du coup, ça c'est quelque chose vraiment super sympa. En tout cas, pour ma part, je trouve ça très sympa. Et je suis contente parce qu'en fait, je vois que dans cette petite communauté qu'on aime, on a tellement de choses en commun, même si on ne se connaît pas trop. Vous me connaissez un peu grâce aux vidéos. Moi, je ne vous connais pas trop, juste un peu de quoi on parle. Mais déjà, je sais qu'on a tellement de choses en commun, qu'on fait des choses ensemble, comme les albums. Maintenant, je sais qu'on a ça aussi, qu'on fait ensemble, de diamond painting. Du coup, c'est vraiment quelque chose... Waouh. Vraiment... Waouh, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je vous dis merci que vous êtes là. Et merci qu'on peut parler un peu dans les... grâce aux messages. Du coup, franchement, c'est un bonheur de lire tous vos messages chaque fois. Et aussi de recevoir par mail des photos avec les albums que vous avez grâce à mes tutos. Du coup, ça, franchement, ça fait... tellement plaisir, vous imaginez même pas. Du coup, merci beaucoup pour ça. Et encore une fois, j'ai trop papoté. Du coup, cette vlog, ça va être que de papotage. Oui, comme d'habitude. Du coup, maintenant, je veux continuer avec ma structure. Et tout à l'heure, je vous montre un peu où je suis avec la structure, où je suis avec le diamond painting, parce que je veux continuer un peu sur mon côté. Je voulais faire aussi un petit gâteau aujourd'hui avec vous, mais je crois que je vais laisser ça pour demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop envie de faire de gâteau. Il fait un peu sombre dehors, il fait un peu gris comme ça. Je crois qu'il va pleuvoir. Du coup, j'ai que envie de rester dans mon canapé et faire du diamond painting ou de la broderie. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais au moins je vous montre des petites choses et on papote. J'espère que vous aimez des vlogs comme ça, papotage, parce qu'on va avoir beaucoup de vlogs comme ça où on va papoter. Et je vous montre pas aujourd'hui, on va pas continuer aujourd'hui à faire les pages de l'album, mais on va continuer demain parce que j'ai pas trop envie aujourd'hui de continuer avec l'album, mais demain je veux continuer avec l'album et on va préparer les pages ensemble. En fait, je vous passe pas les mesures, je mets tout en accéléré, mais au moins je vous montre un peu comment je m'organise, comment je choisis les papiers et tout ça. Au moins ça vous donne une petite idée qu'est-ce qui se passe derrière tous ces tutos et un peu le travail qu'il y a derrière tous ces tutos que vous regardez tout le temps. Je crois que c'est une bonne idée. Du coup, j'arrête de papoter, je tourne au travail et on se voit tout à l'heure. Après, coucou les filles, on se voit plus tard. Du coup, j'ai fini la structure et j'ai fini la déco de la structure. Il est sublime. Moi, j'adore, franchement, j'adore. Je vous montre un peu, mais pas trop parce que je ne veux pas trop spoiler. Parce que sinon, si vous voyez tout dans cette vlog, après, dans les tutos, je vous montre quoi.
Voilà, mais je vous montre juste un petit peu. Et après, le reste, je vous montre dans les tutons. Pour les mesures, pour tout, tout, tout. Je vous montre juste un peu comme ça. Vous êtes prêts? Tadam! Tadam, tadam, tadam. J'adore, 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 j'adore. Voilà, j'aime beaucoup, franchement. J'aime tellement, je trouve tellement joli. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Du coup, oui, voilà, je suis super contente, ça se voit. Franchement, j'aime beaucoup comme il est. Il est exactement comme j'avais dans la tête. Du coup, c'est qu'un bonheur quand les albums que je fais sont exactement comme j'avais imaginé tout ça. Du coup, c'est super, super, je suis contente de mon travail. Du coup, j'attends votre avis comme d'habitude, si ça vous plaît ou pas. Mais de toute façon, à partir de lundi, on va voir les tutos. Du coup, on voit ça ensemble. Maintenant, je veux commencer à faire le montage du vlog parce que ça va être un super vlog. Et on va arrêter le vlog aujourd'hui. Mais demain, je commence un autre et je le mets pour dimanche. Celui-là, ça va être pour samedi matin. Et le vlog que je commence demain, je le mets pour dimanche. Comme ça, on sépare et on a tous les week-ends, tout le week-end des vlogs, des vidéos. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et ça me passe quelques jours par la tête si je veux faire des vlogmas, des vlogs pour tout le décembre. Des petites vlogs de 10-15 minutes, pas trop longues, de toute la journée. Et je mets le soir, tous les soirs, un petit vlog. Je sais pas encore. J'attends votre avis si vous voulez quelque chose comme ça ou pas. Ou si ça vous plaît l'idée ou pas. Et comme ça, on va voir. Du coup, maintenant, je commence à faire les montages. Comme ça, je fais du diamond painting aussi. Et je vous montre demain où je suis avec le diamond painting, où je suis avec la broderie. Pour aujourd'hui, on va arrêter ici. Mais avant que j'arrête, je vous montre les petites lumières que j'ai ici. Voilà. Ça donne ça. Jusqu'à là-bas. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. S'il y a des personnes qui ils veulent... le lien, je vous passe avec grand plaisir parce que c'est cette petite lumière, moi je les adore. Déjà, sont super grandes, ils font 3 mètres sur 3 mètres comme ça. Et ils sont avec une prise USB, du coup on peut mettre dans un prise. Il n'y a pas besoin de piles et ça c'est génial parce que je n'ai marre des lumières qui ont besoin de piles parce que les piles c'est fini trop vite. Et comme ça si c'est à la prise c'est super. Et aussi ils n'ont pas été chers du tout, c'était environ de 14 euros, je crois que 13,99 € ou 12,99 €, quelque chose comme ça sur Amazon. Du coup si vous voulez le lien, je vous mets le lien en barre de description, comme ça vous l'avez là-bas. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous plaît cette vlog papotage super beaucoup. Vous me disiez tout ça dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si vous voulez qu'on continue ou pas. Comme toujours, j'attends votre avis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vlog parce que oui, demain dimanche pour vous. Vendredi pour moi, on va avoir encore un vlog. Et désolée si j'ai pas caché mon doigt, mais ça me fait mal. Voilà, bisous, bye bye.